il y a une vingtaine d'années, que j'ai vraiment pris la passion des fromages parce qu'on avait été visiter des petites fromageries en Europe pour essayer de voir comment on pouvait valoriser notre lait. Et je suis revenu d'Europe avec le jour, je me suis dit, un jour, j'aurai ce type de fromage-là parce que c'est trop bon. Et puis un beau matin, un presbytère qui tombe disponible. Plus de curé, bâtiment disponible, juste en face de notre ferme. Génial, là, c'est le coup de foudre. Alors, j'ai dit, là, on pourrait mettre en place et le développement d'un fromage fin et la valorisation d'un vieux bâtiment et faire une place à la relève. Là, la ferme Loudard, ça, c'est une entité familiale. Je suis de la quatrième génération. C'est mon arrière-grand-père, Louis Morin, qui a bâti la ferme, Louis Dor. Le troupeau, c'est un troupeau de 85 vaches, Holstein en majorité, quelques Jersey. Et ce troupeau-là, ben, fait un volume de lait d'à peu près 700 000 litres de lait environ, là, qui est tout transformé ici à la fromagerie. C'est du bon lait 100% canadien, c'est ça. C'est comme ça que ça doit être fait avant d'avoir un fromage. C'est un produit authentique, authentique terroir, authentique lait, authentique fromage. Le Grand Prix canadien, quand on a gagné ce prix-là, ça a vraiment changé l'univers du fromage ici. C'est au niveau de la communication à travers le pays. Il y a eu une reconnaissance, la plus grande reconnaissance qu'on n'a pas eue à date, c'est celle-là. Et ça, ça a fait la réputation que le produit est demandé partout maintenant. J'ai beaucoup de plaisir à dire que tant vaut le fromage, tant vaut le village. Hein. C'est vraiment précieux pour moi de dire ça. En quelque part, c'est une image qui est précieuse où les fromages dans le pays, ça colore les régions, ça donne une identité. Et ça, c'est vraiment précieux. Hein. Chaque petite région a une grande fierté de son fromage. Puis pour moi, je me disais quelque chose d'important. Là, je me disais, un presbytère, c'est un bien communautaire. On l'a acheté, mais moralement, il appartient à la communauté. Et c'est ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé sur le perron de l'Église il y a 25 ans, ça se passe sur le perron du presbytère aujourd'hui. Et ça, c'est la communauté qui en tire profit, qui s'amuse aussi autour de ça. Et qui vient autour d'une bouteille de vin et un morceau de fromage. Chaque matin, la question qu'on se pose ici, qu'est-ce que je pourrais modifier ici dans la façon de faire pour faire des meilleurs fromages? C'est précieux que tout soit en harmonie pour arriver à faire les meilleurs fromages du monde. Moi, j'ai pas l'impression de travailler. J'ai du plaisir, je m'amuse. Puis c'est un grand bonheur de faire ça. C'est vraiment pas du travail. Là. Je vais faire ça jusqu'à 100 ans, moi, ici. J'aime ça. Là.